Eh bien, salut à toutes et à tous, c'est StarWhite. Aujourd'hui, on se retrouve sur FIFA 18 pour la suite de notre carrière avec Alex Hunter à l'Atlético. Place à l'entraînement. Place à l'entraînement avec Hunter. J'espère qu'on va très vite passer titulaire parce que pour le moment, on est toujours sur le banc des remplaçants. Ah, ça y est, on est quand même dans le groupe des titulaires. Alors, on va bien faire nos entraînements. On va s'activer pour essayer de garder cette place. Oh, 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 alors garçon. Ouais, Hunter, bien. Lève la tête, la passe. Non, je me suis loupé. Oh le bâtard! On gagne quand même. On gagne quand même. On a eu un A. Lui il a eu un F. Le bâtard, on reste devant quand même. Oh, il est passé Hunter. La frappe. Oui, ça rentre. Plus 1000 points. On s'entraîne comme on joue. Oh, il a mis au-dessus, heureusement pour nous. Oh, il a battu Hunter. Oui, il l'a mis au fond. C'est le dernier essai, ça va gagner pour encore pour Hunter. Quoi qu'il arrive, même s'il la met, il la met pas au black qui la stoppe. Yes, encore un A et lui un F. Bien. On s'en sort avec ça pour les stats à l'entraînement. Pour Diego Simeone qui va sûrement nous mettre titulaire. Voilà, du coup, on réavance. Regardez où est-ce qu'on est maintenant dans nos places. Wouh ! C'est bon ça. Tout donner à l'entraînement. Voilà. Griezmann, je t'ai défoncé là. Je t'ai défoncé. On va pouvoir jouer titulaire ensemble maintenant. Là, ça va être bon. On va jouer contre Bilbao. Allez, on est titulaire maintenant. Contre Bilbao, on sera titulaire et on le mérite. Et on va voir ce qu'on vaut. Et en plus, on joue en milieu offensif. Qu'est-ce que vous voulez demander de plus? Là, là, ça va bon rigoler. Là, c'est clair. On va le servir sur un plateau. Là, les patrons, c'est nous. Le Hunter, le voici. Ce stade. Première fois titulaire sous le maillot de l'Atlético Madrid. Il aura prouvé à l'entraînement ce qu'il valait et il est contré, très content d'être là, je suppose. Hunter pour son premier ballon pour Antoine Griezmann. La place de la Peñeta, comme on l'appelait ces dernières années, c'était sur Carrasco. Il faut dire que la construction du nouveau stade a été un vrai feuilleton, un rebondissement. Hunter Griezmann qui est passé. Dossier de candidature. Saoul, hop, voilà. Plein de reports, ça a beaucoup tardé, mais enfin, il est là. Alors que l'organisateur vous propose la composition de l'Atlético Madrid, l'entraîneur a fait le choix de positionner. Oui, Hunter, il est parti, Hunter, Hunter déjà, Hunter dans la construction de balle, Hunter, oh, il accélère comme un fou, attention à ne pas la perdre. Vous découvrez les joueurs qui vont composer cette équipe. Allez, garde le ballon, Saoul, cette fois-ci, alors, sans surprise. Saoul, Hunter, pas perdu encore. C'est ce qui demande de gros efforts aux ailiers. Griezmann! Tire contré. Bien repoussé par la défense. Hunter. Hunter avec Carrasco. Oh, il a perdu le ballon, il va se battre. Oula. Il essaie d'interrompre. Qu'est-ce qui se passe? On va quand même prendre le temps d'aller voir le joueur blessé. Qu'est-ce qu'il fait? J'ai pris cher là? Non. Non.
Non, tu te fous de ma gueule. Alex, 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 tu es blessé, sors, allez. Non, c'est bon, ça va, je vais bien, je peux continuer. Non, on ne peut pas risquer d'aggraver ta blessure. Y a pas à discuter, Alex. Tu sors. Fais chier, merde. Alex. Ça va aller. Attends. Super. Celui-là de match titulaire. Alors ça, c'était cool. Ah ouais, ah ouais. Ah ouais. Alors ? Alex, j'ai bien peur d'avoir une mauvaise nouvelle. C'est une méniscose de type 3. Nous avons prévu de te faire opérer en fin de semaine. Ensuite viendra le temps de la rééducation. Avec un programme intense, on espère que tu pourras revenir au début du mois de mars. Mars ? Mais c'est presque 2 mois. Alex, moi aussi j'aimerais que les choses se passent autrement. Mais certaines décisions s'imposent à nous. Tu es libre de rentrer chez toi, si tu préfères, jusqu'à ce qu'on te retire ton plâtre. Ensuite, on t'enverra chez un spécialiste, à Los Angeles, pour commencer ta rééducation. Oh putain, on s'est fait bien baiser là-dessus. J'y crois pas, quoi. Et voilà. Merci. Ça va te donner des forces pour soigner ce genou. T'as l'air songeur. Je regardais ça. Est-ce que ton père t'a raconté comment il s'était blessé ? C'est le 5e tour de la Coupe. Harold est au meilleur de sa forme et on parle de lui en équipe d'Angleterre. L'arrière central est arrivé par derrière. L'arbitre n'a même pas sifflé la faute. À partir de ce jour-là, ton père a eu le sentiment qu'on lui avait volé sa chance. Il n'avait qu'une seule chose en tête, revenir sur le terrain. Alors, il s'est précipité et il a repris trop tôt. Imbécile. Quand le médecin lui a dit qu'il ne pourrait plus rejouer, il a changé. Radicalement. Qu'est-ce que tu essaies de me dire, au juste ? J'espère tout simplement te raisonner, petit. Ne va pas trop vite. Tu n'es pas ton père. Prends ton temps. Tu reviendras encore plus fort. Allez, mange, avant que ça refroidisse. De titulaire. Ha,
Danny Williams, le comeback dans la game. Et... 24 messages, je me demande si l'entraîneur... Oh, faut tout dégager là. On va jouer Danny Williams ? On voit Danny Williams qui termine son échauffement, qui va recevoir les consignes de son entraîneur. On sait qu'il a la lourde charge de remplacer Alex Hunter blessé. On va voir s'il a l'envergure au poste. Allez Danny. On connaît très bien cette équipe. Un attaquant qui... Putain, j'ai pas vu mon poste. C'est quoi mon poste ? Pour venir récupérer ce ballon. Paul basse. Allez, attention, il se rapproche du but adverse. C'est le même poste qu'Alex, j'étais milieu offensif avec eux. Oh, attention là-bas, oh, oh. Super, super. Oh, le match qui vient peut-être de basculer. Ah, malheureux, le défenseur sur cette action. C'est sûr qu'il a voulu bien faire. Hein, mais bon. Alors là, là, c'est cool. C'est donc l'ouverture du score, 1-0. Ah putain, je suis en BU. Il y a peut-être une situation intéressante là. Eh bien, l'intervention, changement de possession. Les 9 dernières minutes du temps réglementaire. Non, elle a été interceptée cette passe. Ah, que c'est bien donné ça. Le centre à destination de ses partenaires. Avec Danny Williams. Il y a l'ambiance qui monte d'un cran, hein, Old Trafford. Manchester United qui compte toujours un but de retard et les supporters qui poussent pour les aider à arracher cette égalisation. Anthony Martial. Incroyable accélération, hein, de la carrière d'Anthony Martial depuis son départ de Monaco. Ah oui, il est passé de remplaçant de luxe en principauté à titulaire à Manchester United. Oh, elle est belle. Mata ? Oh oui ! Oh oui ! Oui, Juan Mata, oui. Il égalise pour nous. En plus, c'est une passe D de Danny Williams. Oui, Juan Mata. Un bon moment. Hein. Yes. Un match comme ça, ça fait mal à l'adversaire, c'est sûr. Mais belle preuve de combativité, en tout cas. Allez, tout est à refaire, un but partout. Donc, 7 minutes à jouer dans cette rencontre. T'as, par contre, ils font chier à Watford qu'ils ont marqué quoi d'entrée. Ben, Rose a raté. On s'approche du but. Leur jeu. Ouais, il a mal lu le jeu en déclenchant son appel. C'est un hors-jeu. Il va y avoir un changement. Ah, une fin de match à suspense. Hein. Il ne reste plus que 5 minutes. Michael Carrick. Antonio Valencia. Oh, oh. Ouais, il arrive le gardien. Mauvais tir, mais what? Valencia. Michael Carrick. Williams. Peut-être une bonne opportunité, attention. Encore Williams, 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 la frappe. Oh. Et non, le tir qui est contré. Amrabat. Adrian Mariapa. Abdoulaye Doucouré. Amrabat. Oh ouais, putain, reste en place, ils me font chier avec ça. C'est pas mon poste. Ah, il a bien vu qu'il fallait aller chercher ce ballon. Encore Dani. Ah, il a mis beaucoup d'agressivité dans cette intervention. Oh mais... Il a pas ce qu'il trouve, un joueur de l'équipe adverse. Mitir Kayan. Ah, il a bien senti le coup, il s'est intercepté. Danny, Danny, Danny. Les Montpellier qui peuvent peut-être aller chercher. Oh oui, pour Martial. Allez, il faut centrer. Oh, le gardien qui repousse, ça peut revenir. 4 minutes.
minutes de temps additionnel. Allez, 4 minutes pour y croire encore. Bien visiblement, on estime que ce sera assez pour marquer au moins un but. Sont confiants ses supporters. Allez. Attention, il a du champ devant lui. Les joueurs qui peuvent souffler avec cette interception. Oui, parce que derrière, c'était peut-être la balle de match. Valencia. On voit encore Dani qui est bien prêt. Avec Mitir Kayan vers l'avant. Oh putain, il s'est fait bousculer. Et centre. Dani. Ouais, son gardien. Et encore un arrêt important parce qu'il permet à son équipe de rester encore dans le match. Ouais, il gagne la possession. Non, c'est quoi cette merde, putain. J'ai voulu faire un appel de ban, mais ce con, il m'a fait ça. C'est un remplacement. Attends. Super. Ouais, la meilleure solution, c'était de dégager. Il a eu raison. On voit vite. Une action qui peut être intéressante pour Manchester United. Dani. Le standard martial, la tête. Oh, on va s'accrocher dans la surface de réparation, corner très important. Oh voilà, je suis bon de la tête, je pense avec Dani. La tête justement, elle est là. Oh voilà. Une tête qui n'inquiète pas trop le gardien. Et pourquoi le tir, c'est pas un bon tir. Toi t'es un fou. Mon tir il est pas bon. Voilà, c'est terminé. Danny Williams, c'est les siens qui doivent se contenter du match nul. Williams n'a pas marqué et on sent qu'il a encore un peu de mal à trouver ses marques en première ligne. Oh, j'ai fait une passe dé quand même. Un match nul malgré la possession qui a été largement en faveur de l'un des deux protagonistes. Putain, 8 de 9, tu m'avais demandé. Salope, ça vient pas. Ouais, j'ai une passe dé. Putain, quand même. Pour son partenaire au deuxième. Ouais, il est là. Attention là. Putain. 15 minutes, il nous a laissé jouer le type. 15 minutes. Ah oui, il a 71 de général. Ah ouais. Ah ouais, putain. Alors les gars, ça va ? Un pour tous, tous pour un ? Les trois mousquetaires, hein ? Les deux. Oh les bâtards. Non mais qu'est-ce qu'ils croient ? Vous vouliez me parler, monsieur ? Oui, entre, William, assieds-toi. Il va m'en venir après. La première ligue, c'est plus dur. Si tu veux atteindre ce niveau, il va falloir que tu t'entraînes encore plus que tu ne faisais en championship. Le talent, c'est pas ça le problème, tu l'as. Mais tu es ce que j'appelle un planqué. Tu es contente d'être dans ce championnat au lieu de faire des efforts et de donner le meilleur de toi-même. J'ai pas raison ? Tranquille, patron. Williams n'a juste pas encore donné le meilleur de lui-même, c'est tout. Qu'est-ce qui cloche chez toi ? Tu sais, si tu faisais deux fois moins d'efforts quand tu joues que t'en fais pour faire le petit rigolo, tu serais sacrément bon. T'en as conscience ? T'asseoir sur le banc, jouer quelques minutes ici et là, empocher ton salaire, ça te suffit ? Ça m'aurait étonné. Tu sais, arrête d'essayer de faire rigoler la compagnie et à la place, essaie de gagner notre respect. T'as du pain sur la planche. D'accord, patron, je comprends, mais si l'entraîneur m'alignait à mon poste de prédilection... D'accord, Williams, je en parlerai. Et je te promets rien, d'accord ? Allez, file. Attends, ils nous font chier aussi.
Attends, on a autre chose à foutre, nous. On est avec Alex Hunter. Va se débrouiller, hein, Danny, hein, non ? Allez, direction Los Angeles. Danny reste notre pote, mais bon, faut pas, on va pas lui mâcher le travail non plus. On gagne ensemble, on perd seul. Ha ! Cinq semaines plus tard, décision clé. Oula. Reprendre sur une jambe ou laisser tomber ? Reprendre sur une jambe de suite, parce que ça me ressemble. T'es prêt? Oh putain, maintenant il va nous faire jouer Kim, ce con. Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre? Nous on joue Hunter, on n'est pas là pour faire jouer les autres. Allez, viens sur le terrain, on va taper le ballon un peu. Il faut peut-être que j'attende quelques jours. C'est ce que t'as dit il y a quelques jours quand le médecin t'a donné son feu vert. J'ai pas envie de finir comme papa. Il a jamais eu la rééducation dont t'as bénéficié. Ton club t'a envoyé chez les meilleurs spécialistes. Et le genou de papa a été complètement ruiné. Allez, les blessures, ça fait partie du jeu. Ah ouais? Parce que tu t'y connais, toi? Laisse-moi réfléchir. J'ai eu la jambe cassée à 14 ans. Des charlatans m'ont dit que je pourrais plus jamais jouer. Je crois avoir eu ma dose. Je suis désolé. Je savais pas. Comment t'aurais pu ? Écoute, c'est différent, d'accord ? Je dois remonter à un sacré niveau. C'est compliqué. J'ai pas le droit de me planter. Et un truc pareil, ça pourrait faire la différence. C'est un vrai obstacle, tu comprends ? Un obstacle ? J'ai perdu ma mère à 8 ans. Ça, c'est un obstacle. Un obstacle, c'est quand tu veux jouer au foot en jonglant entre l'école, l'entraînement et les matchs. T'as déjà essayé de faire tes devoirs à l'arrière d'un bus, de jouer 90 minutes, de rentrer à la maison à 2h du mat et de retourner à l'école le lendemain sans pouvoir garder les yeux ouverts. Tout ça dans l'espoir qu'un recruteur repère ton talent parmi toutes les autres. Tu sais, Alex, j'ai pas de gros contrat qui m'attend, moi. Je me contente de me battre chaque jour. Juste pour pratiquer le sport que j'aime. Et t'es en train de me dire que tu ne veux surtout pas te battre pour retrouver ce que t'as déjà ? Alors c'est ça d'avoir une petite sœur. J'en fais un peu trop ? Non. T'as raison, Kim. Tu crois que tu peux me faire quelques centres dans la surface ? Je me dis que j'ai peut-être oublié comment on marquait des buts. Sur un plateau. Quand tu veux. Eh ben c'est parti. Allez, on est reparti. Oh. Quel con. Putain.
putain, je suis vraiment un connard. Je suis vraiment en colère. Ouais. Pas super, mais bon. Au moins, tu sens qu'il va mieux, le joueur. Pas mal, t'as l'air plutôt en forme. Pas mal, Hunter. Grande classe. Merci, papa. Je me sens en forme. Quoi ? Ah non, je parlais pas de toi. Oh. Bon, vous êtes prêts à y aller ? Tant mieux, le gardien aimerait pouvoir fermer. T'es sûr d'être prêt à jouer, fiston ? À 100%. Bien. J'ai déjà prévenu le club. Ils t'attendent la semaine prochaine. Allez, on est de retour à l'Atlético. Va. Dino ? Alex, bienvenue. Viens, assieds-toi. Assieds-toi. Selon l'équipe médicale, tu es à nouveau en pleine forme. Mon genou est comme neuf. Je suis prêt. Ah. Alex, je suis ravi que tu me dises ça. Pendant ton absence, le club a connu des moments difficiles, je dois l'avouer. Nous manquons vraiment d'efficacité devant, sans parler de la percussion et du travail collectif. Je suis pressé de retrouver la pelouse, Dino. J'ai la sensation que je suis arrêté depuis une éternité. Cette blessure, je crois qu'elle a réveillé quelque chose en toi, non ? C'est plutôt toi qui m'inquiète, à vrai dire. Oh, je ne vais pas te mentir. La pression que je ressens aujourd'hui n'a jamais été aussi forte. Tous les jours, même dans les journaux, on se fait critiquer. Par les supporters aussi. En championnat, on est largué et les joueurs se font siffler alors qu'ils donnent tout. Je peux essayer de faire quelque chose. Oh. Tu sais, Alex, le renvoi me pend au nez. Le président n'a plus confiance en moi, alors si l'équipe ne remporte pas rapidement un titre, je crois que je ne vais pas faire long feu dans ce club. Tous les jours, j'essaie de me rappeler les raisons qui font que j'aime à tel point ce sport. Et ouais. J'espère que je vous dérange pas. Oh, c'était juste pour dire que ça fait du bien de te revoir, Alex. Ça fait du bien de revenir. Antoine, Grisou, Grisou ! Le patron ! Allez. Bon match, c'est bien de retrouver, je suis tellement heureux. Ton genou est à 100%, on va montrer aux supporters qu'ils ont raté. Et fais attention à ton genou pour ta reprise. Ah, Danny Williams, il est toujours là, notre Danny. Il va se débrouiller tout seul. Il est grand, Danny, non ? Alors, fais voir un peu qu'on a connu des moments difficiles. On est toujours 3ème déjà. 55 points, 28ème, il nous reste 10 matchs. C'est pas trop mal. On est toujours 3ème, on n'a pas changé. Allez, on va se faire ce match. Et on part titulaire. On part titulaire directement. Alors, on va voir nos objectifs. Obtenir une autre partenaire maximale avec son copier. Délivrer 6 passes décisives. Sauver le poste de Dino en remportant un titre. Championnat ou coupe. Délivrer 6 passes décisives pour l'autre, putain. Bonjour à toutes et à tous. Allez, Hunter qui est de retour. Bonjour sur les terrains. Et ravi d'être à vos côtés. Et le match qui est parti. Cette rencontre va nous permettre de suivre l'Atlético Madrid Hunter. Face au Deportivo La Corogne. Alors que le réalisateur vous propose la composition. Allez, Hunter qui met directement dans le bain le retour. L'entraîneur a choisi un 4-5-1 pour. Il va demander le ballon là-bas. Sans doute pour obliger l'adversaire à sortir. Et à le centre. Avec cette position de hors-jeu. Wanda Metropolitano, le nom de ce nouveau stade. Hunter, qui va la mettre pour derrière. Qui, bien sûr, a une explication. Bon, Wanda va s'éterniser. Metropolitano, tu sais ce que c'est ? Oui, c'est le nom du stade où jouait l'Atlético de Madrid avant qu'il ne s'installe à Vicente Calderón dans les années 60. Ouais, je peux essayer de coller. Ils se mettent une pression là, les deux là. Bon, je n'ai aucun mérite. J'ai les fiches.
Chanak. Mosquera. On va suivre bien sûr Chanak. Griezmann. Vers l'avant, attention, il est passé vers Gil. 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 Oh ouais, il repousse, ça joue. Oui, Hunter. Aucune intention, mais c'est un adversaire hein, qui récupère. Ouais, beau tacle dans sa propre surface. Allez. Ron Fran. Merde, putain. Chanak. Celle se dresse. Oh. Il avance encore. Gil. Borges. Ouais, ça revient sur lui, malheureusement, ouais, même après le tacle de Alex Hunter. Ah non, ballon perdu. Pereira Carrasco. Hunter. Oh putain. Le ballon est trop facile à reprendre aussi. Qu'elle est mal donnée cette passe. Qu'est-ce qu'elle est mal donnée. Chanak. Elle était bien placée pour intercepter cette passe. Il y a du monde Hunter. Sur lui. Il arrive quand même à s'en sortir là. Pereira Carrasco. On s'approche du but. Pas mal quand même. Hunter, Hunter, oui, ah oui, ah oui, Alex Hunter qui marque son premier but sous les couleurs de l'Atlético après son retour de blessure, oui, merci de m'avoir fait confiance, Hunter qui arrive à se retourner et à marquer, oui, ça c'est bon, ça c'est bon. Tu mets ton corps en opposition, ça part du mauvais côté, pas de bol. Il va chercher en plus le ballon. Hunter, la bonne passe vers le bas, allez. On s'approche de la zone de vérité. Hunter vers l'avant, vers Grisou. Oh, oh, c'est repoussé par le montant. Oh putain, dommage. Pour éloigner le danger. Chanak. Qu'est-ce qu'elle était bonne cette passe. Qu'est-ce qu'elle était belle. Dufran. Oh, il n'est plus avec l'Atlético. Ouais, Dufran qui n'est plus de l'Atlético. Il est parti au Deportivo. L'âge se fait sentir, attention, faut la bien dégager, voilà c'est bien, Hunter. Mais le danger est écarté. Saoul avec Coquet, c'est perdu, Mosquera qui récupère pour Chanak. Cartabia. Oula, ouh, bien joué gardien, il fallait la faire. C'est interposé magnifiquement. Allez Hunter. Grisou. Antoine Griezmann. Oh. Ouais, la bonne passe en profondeur de Griezmann. Ça part bien. Centre. Action dangereuse. On a bien donné ce ballon, mais le danger. Ça va finir où. En touche et aller pour nous. Sorti en corner. Frank. Hunter, la frappe. Oh. Gentlo. C'est pas fini. Quoi, je peux pas être dans la surface. Son duel dans la surface. Non, mais arrête avec tes placements. Placement de produit, ouais. Ah merde, comme là. Ah merde, ouais, mais là, tu veux que j'aille où. J'étais tout seul. Chanak. Hunter. Il va essayer de la récupérer, il l'aura pas. Il va avoir le ballon de la tête. Hunter, vite la lancer. Voilà, bien vu, vers le numéro 11. Griezmann. De temps additionnel. Envoie, là. Trop tard, putain. Allez, Grisou. Oh, allez, mi-temps, c'est la allez, on gagne 1-0. Un but d'Alex Hunter. On y va. Le jeu qui reprend à l'instant même dans ce magnifique Wanda Metropolitano. Ok. Hunter, oui, arrêt de terre pour Yannick Ferrat, Carrasco. Carrasco, il faut centrer. Grisou. Oui. Bien joué, Griezmann. Le but qui permet à l'équipe de se détacher dans cette rencontre. Allez, c'est dur à digérer pour l'adversaire, mais on a déjà vu des remontées plus spectaculaires. C'est pas terminé. C'est clair. Mais ça, c'est bon. Un but en deux temps, un peu chanceux, certes, mais il fallait être là au bon moment et surtout garder la tête froide pour la mettre au fond. Et les voilà donc avec une avance de début. Borges. Chanak. Arrêt de terre encore, ça passe. Oh, il va chercher Griezmann dans la profondeur. C'est bien donné en profondeur. Il demande le centre, la sortie. Hunter, il faut la vite là. Oh là, ah.
Ouais, bon timing défensif hein, sur ce tacle. Hunter, la frappe. Oh, la parade du gardien. Et cette fois-ci, c'est le gardien. Oh, il la sauve, il n'y aura pas de corner. Le joueur est en confiance, il a déjà marqué, il a raison de tenter. Hunter qui va prendre les instructions du coach. Voilà, du changement, une entrée du côté de l'Atlético. Ouais, on a les trois pour le moment, instructions qui sont bonnes. Il faut rester. Keitan. Alex Hunter. Philippe Luis. Il avance encore. Hunter encore. Contré cette fois-ci. Mauvais tir. Oh, c'est connerie, il me l'a contré, c'est pas ma faute. Oh, la mauvaise passe. Il n'a pas regardé où il la mettait. Hunter. Hunter avec Carrasco. La bonne passe. Oh, pour Hunter. Il aura essayé. Ça, on touche. Il est à la demi-heure de jeu. Danger. L'un des hommes de ce match qui va sortir. Très belle prestation dans cette rencontre, mais l'entraîneur le fait quand même sortir. Bizarre. Ça se dresse. Chanak. Allez. Deon. Voilà, ça c'est n'importe quoi. Hunter. Complètement à l'adversaire direct. Avec Gabi, Griezmann. Hunter pour Carrasco, ça passe encore, ça se combine bien aussi entre les deux. Oh, on s'est mal compris. Il donne carrément le ballon à l'adversaire. Ouais, très bonne récupération de la part des Madrilènes là-dessus. Ouais, vers l'avant, magnifique, ça passe, Griezmann, la tête. Oh, la belle tête. Qu'est-ce que c'est bien tenté, qu'est-ce que c'est bien tenté. L'Atlético retrouve un énorme second souffle là. Saoul. On n'arrive pas à récupérer le ballon. Mosquera. Oh, attention le tac. Le centre est désormais. Sans problème pour le gardien ce centre. Chez Grisou. Chanak. C'est difficile de trouver. Oh, Hunter Café, il a récupéré. Attention, ça avance avec Deportivo. La sortie d'Oblak sans trop de difficulté. Le gardien qui peut facilement. Hunter qui va vite demander le ballon. Bien lu la trajectoire. Et qui est servi. Hunter vers l'avant. Bien joué. Ah, attention, il est bloqué par le milieu de terrain. Griezmann. Hunter. Carrasco. Il cherche un partenaire dans la profondeur. Carrasco tout seul. Le tir. Ouais, la deuxième passe des deux. Alexander. Dans ce match, il est de retour. Il a été là, Carrasco qui met son but à lui. C'est bon. D'un coup, le buteur se retrouve seul face au gardien. Il prend l'information, il marque. C'est nickel. Ah, malheureux. Le défenseur sur cette action. C'est sûr qu'il a voulu bien faire. Ah, le match qui a clairement tourné maintenant. Ah non, un but, une passe D. Ouais, un but, une passe D. Pas de passe D, pardon. Mosquera. Oh là là, il a failli la perdre. Les 30 derniers mètres. C'est perdu. Il perd le ballon. Hunter. Gabi. Hunter vers l'avant, vers l'avant, vers l'avant. Très bien donné encore. Dans l'espace. Hunter. Attention, il est tout seul. Ah, il a perdu. Il va la récupérer, oui. Gabi. Philippe Luis. Du soutien. Griezmann. Griezmann. Hunter. Oh, Griezmann. Non. Ils n'ont pas vu le jour hein, dans ce match. Le Deportivo qui est perdu là dans ce match. Ils n'ont plus pris de but, mais. Jamais ils n'ont pu inquiéter leur adversaire. Hunter, il a vu encore les départs là-bas du numéro 11. Il va centrer. Le centre, à ras de terre, bien en retrait. Qui c'est qui demande le ballon? Ça va être encore Alex Hunter qui va le demander. Il est servi. Oh, deuxième chance pour lui. Le tir. Oh! Et c'est terminé là-dessus. Victoire 3-0 de l'Atlético de Madrid. Très bon match d'Alex Hunter qui retrouve ses coéquipiers et qui va sûrement. Attention, le Alex Hunter est de retour. Conquérir une nouvelle fois Diego Simeone et Dino. Entre des joueurs qui sont passés mais alors complètement à travers. Ouais, c'est bien, très bon. Retour. Plus fort que, mais c'est vrai que maintenant que c'est terminé, bah, il va pouvoir oublier vite vite et préparer la. Un but, une passe D. Malheureusement, elle n'est pas pour Griezmann, c'est clair, mais bon. Très bien. Il est voilà ce but. Attention, ils peuvent reprendre. Ah, il la touche en fait. Très heureux d'avoir marqué. On est bien. Quand on voit
Quand on voit votre prestation, tout en technique, en rapidité et en vista, on a l'impression que vous n'avez jamais arrêté. Votre présence a complètement changé l'équipe, surtout offensivement. Je suis super fort pour tirer le meilleur des autres. Et que diriez-vous à ceux qui pourraient interpréter ces propos comme de l'arrogance ? Quoi, des gens comme vous ? Il y a aussi quelques journalistes qui vous trouvent parfois peu modestes. Je dirais que la différence est mince entre la confiance et l'arrogance. Mais un bon attaquant doit se sentir en confiance s'il veut être performant. Oui, je vous l'accorde. Ah, on est d'accord pour une fois. Je suis heureux qu'on ait pu trouver un terrain d'entente. Bravo pour votre retour et merci pour votre disponibilité. De rien. Voilà, très bon match, très bon retour, un but, une passe D, ça commence bien. Bien écoutez, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, on va se retrouver très vite pour la suite de notre performance avec l'Atlético de Madrid. Merci à tous, à la prochaine, salut tout le monde!